demander au Seigneur de l'accueillir dans son royaume. Nous savons aussi que par sa résurrection, il nous arrache à la mort. Il est entré dans la gloire pour nous ouvrir à la vie. Aujourd'hui, tournons-nous vers notre Sauveur avec confiance et faisons appel à sa miséricorde et à sa tendresse pour chacun d'entre nous. Prions. Seigneur Jésus, voici réunis dans ta maison les amis de Roger qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que toute personne ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions, toi qui es vivant, avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La personne désignée pour venir la lecture. La personne désignée. C'est une lecture qui est tirée du livre des Proverbes. Ça s'appelle « La sagesse est bien plus précieux que l'or ». Heureux qui a trouvé la sagesse, qui s'est procuré la raison, car sa possession vaut mieux que possession d'argent, et son revenu est meilleur que l'or. Elle est plus estimable que le corail, et rien de ce que l'on peut désirer ne l'égale. Dans sa droite, longueur de jour, dans sa gauche, richesse et gloire. Ses voies sont des voies délicieuses,
et ses sentiers sont paisibles. L'arbre de vie, c'est elle pour ceux qui la saisissent, et bienheureux ceux qui la tiennent. Le Seigneur a fondé la terre par la sagesse, affermissant les cieux par la raison. C'est par sa science que se sont ouverts les abîmes et que les nuages ont distillé la pluie. Parole du Seigneur.